Sur l'écran noir apparaît cette citation. C'est en Espagne que ma génération a appris que l'on peut avoir raison et être vaincu, que la force peut détruire l'âme et que parfois le courage n'obtient pas de récompense. C'est sans aucun doute ce qui explique pourquoi tant d'hommes à travers le monde considèrent le drame espagnol comme étant une tragédie personnelle, la dernière grande cause. Albert Camus. X Beau Film présente France, septembre 1950. Boléro Paprika, un film de Marc Ménager. Bonsoir. Antoine, c'est bien, on est là. Il y a plus de monde qui va passer. Tu bois un coup ? Mademoiselle, s'il vous plaît. Chez vous, là. On appelle notre gamin. Hé ! Ça va bientôt commencer. Mademoiselle, souper à verre. Allez. Allez les tourteaux, à votre bonne santé. Ce soir, il y a bal sur la place du village éclairée par des lampions. Un couple assis sur un banc se lève et ouvre le bal. Ah ouais, faites-nous un petit pas de danse. D'autres danseurs les rejoignent. L'orchestre joue sur une estrade. À la buvette, un homme aviné interpelle la foule. À l'étage d'une maison qui borde la place, une fenêtre est éclairée. À l'intérieur, un garçon brun regarde obstinément le bal. Dans la pièce vétuste, une femme brune imprime des tracts sur une vieille machine qui s'enraye. Sur les tracts, il est écrit « Que devient l'Espagne ?» Mierda ! Le garçon regarde toujours par la fenêtre. «